Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour Maï. Bienvenue dans la rue. Merci à toi, bienvenue aussi dans la rue. Je te remercie en tout cas d'avoir accepté de participer à ce street show. Donc la rue c'est quoi? C'est République of Urban Elite, République d'élite urbaine. Et je pense que tu as grandement ta place parce que pour moi tu es un artiste qui anime, on va dire, la rue. Et que la rue anime. Voilà. Mmh. Et donc, j'ai une première question pour toi, Jean-Baptiste. Vas-y. Qui es-tu ? Eh bien, qui je suis ? Je suis un photographe déjà. Je suis un photographe parisien, vrai parisien, né à Paris. Et quoi dire d'autre ? Je suis un photographe de rue. Ça tombe bien, justement. Voilà. Quel hasard. voilà, donc je fais de la photo de rue depuis très très longtemps, mais depuis, disons, une petite dizaine d'années, je fais des portraits de rue. D'accord. Donc j'interpelle des gens dans la rue qui me plaisent, ouais, pour des raisons X ou Y, on reviendra dessus. D'accord. Et je leur demande s'ils veulent bien poser pour moi le temps d'une photo. Et ils disent oui ou disent non, mais quand ils disent oui, ça fait des photos. Et puis quand les photos me plaisent, je les... certaines de mes photos qui me plaisent, ouais, je les recolle dans la rue, comme on peut voir derrière ou à d'autres endroits de Paris, ouais, sous forme de petites plaques sous verre, en format carte postale, cimentées sur les murs. Voilà, en deux mots. Jean-Baptiste, une deuxième question pour toi. Dans ton parcours, quel a été ton plus grand challenge ? Ben, à vrai dire, j'ai pas vraiment eu de plus grand challenge. J'en ai eu plusieurs. Un de mes challenges, ça a été assez jeune de décider de faire de la photo en couleur, qui me paraissait être, disons, j'ai pensé plus compliqué que de faire du noir et blanc comme je faisais avant. Donc d'arriver à faire de la photo en couleur, c'est-à-dire pas de la photo couleur, mais de la photo en couleur. D'accord. Et vraiment faire en sorte que... c'est-à-dire que la couleur que soit vraiment un plus dans l'image. Donc ça a été un de mes premiers challenges. Ensuite, des années après, un autre de mes challenges, ça a été de photographier, quand j'ai commencé à faire des portraits de gens, ça a été de les photographier en pied. Ouais. Parce que ça me paraissait, photographiquement, assez difficile de faire une belle photo de gens en pied, dans le sens où le décor prend une autre dimension quand c'est en pied que quand c'est un gros plan. Donc voilà, ça fait partie un peu des challenges. Mais après, je dirais que je ne sais pas si c'est un challenge, mais disons la grande rupture dans mon travail photographique, c'est la grande rupture, ça a été de faire poser les gens. C'est-à-dire qu'en fait, pendant 25 ans à peu près, j'ai fait de la photo dans la rue, ouais, mais je faisais de la photo volée. Et j'adorais ça, hein, il n'y avait aucun problème avec ça, mais... Ouais, c'est ça, c'est de la photo, on peut appeler ça photo volée, photo furtive, photo... à l'insu des gens que je photographiais, si tu veux. Et donc, il y a une petite dizaine d'années, j'ai commencé à faire poser les gens, après tout un tas d'histoires qui me sont arrivées dans ma vie et qui ont fait que je me suis retrouvé à demander aux gens. Et là, ça m'a ouvert une nouvelle porte. Et je suis encore dedans plus que jamais et pas du tout prêt à revenir en arrière. Et les gens, ils s'y prêtent facilement au jeu ? Bon, souvent, là, on me pose la question. Je dirais qu'en gros, en moyenne, il y a la moitié des gens qui refusent et la moitié qui acceptent à peu près. D'accord. Donc, ça fait quand même, il y a quand même pas mal de refus. Et pendant le confinement, t'as pu prendre des photos de gens dans la rue parce qu'il n'y avait quasiment personne. Ouais, alors le confinement, ça a été un peu spécial. C'est-à-dire que les premiers jours du confinement, c'était très triste, Paris. Ouais. Il n'y avait vraiment pas un chat et c'était difficile. Donc je passais beaucoup d'heures dans la rue à essayer de trouver des gens. Mais j'ai quand même trouvé des gens parce qu'il y avait les gens de la rue, ouais, les SDF qui étaient là, qui vivaient normalement. Ouais. Et donc j'ai trouvé chez eux... finalement beaucoup de réconfort parce que tout le monde était terré, stressé, ouais, et eux étaient gays, ils se passaient la bouteille comme d'habitude. Et donc j'ai vraiment bien aimé être avec eux et les photographier. Puis petit à petit, les gens commençaient à sortir un peu, tu sais, il a commencé à faire meilleur. Les gens commençaient à sortir leurs enfants qui avaient besoin de prendre l'air. Donc j'ai photographié les enfants, les parents, les jeunes parents,
Et voilà, petit à petit, la vie a repris un petit peu. Alors Jean-Baptiste, j'ai une troisième question. Vas-y. Quels sont tes projets? Peux-tu nous parler de projets à court ou long terme? Alors écoute, je vais te dire, en fait, j'ai pas vraiment de projets, mais j'ai toujours des projets. Mon projet, c'est de continuer ce que je fais. C'est-à-dire, c'est ce qui m'intéresse, moi, c'est la photo que je vais faire demain, en fait. Tu vois, donc c'est pas tellement celle que j'ai faite, c'est vraiment ce que je vais faire, d'ailleurs même pas demain, cet après-midi. Et donc voilà, mes projets, c'est de continuer, c'est de progresser, d'évoluer, de tout le temps être en mouvement. Mes projets vont dépendre de mes rencontres. Et je suis, en fait, je suis dans une position où je suis ouvert à tout, en fait, ouais. Si tu veux. Donc j'ai pas une idée arrêtée de la direction que je veux prendre. Demain, je rencontre quelqu'un, ça m'ouvre une porte, j'y vais. Je suis très très libre en ce moment. Ma quatrième et dernière question pour toi, Jean-Baptiste, c'est que t'évoque la rue? La rue, ça m'évoque tout, en fait. Parce que, comme je disais tout à l'heure, je suis né à Paris. Donc déjà, c'est mon environnement, la rue. C'est, je pense, que l'environnement de tous les citadins. Donc c'est mon élément, quoi. Tu vois, un surfeur, c'est la mer. Moi, c'est la rue, le bitume, c'est là où je jouais petit, c'est tout ça. Et donc, en fait, quand j'ai commencé à faire de la photo, sans me poser de questions, c'est directement dans la rue que je suis allé faire des photos. Donc c'est là où je passe le gros de mon temps, parce que pour faire des photos de rue, il faut passer beaucoup de temps dans la rue. Mais ça ne me déplaît pas, parce que je me sens plutôt bien dans la rue, à l'air libre. En plus, ce qui est bien dans la rue, c'est que ça laisse plein de surprises, en fait. Si tu veux, si tu fais des photos de studio ou autre, c'est toi qui gères tes surprises. Là, tout peut m'arriver, un coin de rue, se passer quelque chose, croiser quelqu'un. Donc j'aime ce côté surprise. Et puis il y a une autre chose que j'aime vraiment dans la rue, et ça devient un petit peu peut-être plus politique, mais dans nos pays, parce que c'est pas le cas en Inde ou en Afrique ou ailleurs, la rue, c'est vraiment l'endroit où tout le monde se croise. Sans forcément se parler, mais tout le monde se croise. Tout le monde emprunte la rue. Et comme j'aime bien photographier un peu toutes sortes de personnes, qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, vieux, jeunes, blancs, noirs, tout ça, la rue, c'est vraiment l'endroit pour moi. L'espace de toutes les rencontres. De toutes les rencontres et de toutes les mixités. Très bien, je te remercie. De rien, c'était un plaisir. Partagé. Blablabla. Action. Oh. Le maire, on le coupera. Hein. Ah, ça tourne là.
la limonade Parimonade. À la tienne, Maïmouna. Alors, voilà, je te disais. Je crois que tu voulais me parler de la couleur, cher ouais. Maï. Elle coupe. Efficace. C'est bon, t'as tout. Il nous a plié ça en même pas 10. Ça va aller au niveau du montage. Non, efficace. Là, je t'ai interrompu à l'exercice. Écoute, j'ai pas fait trop de E. Je suis contente, j'évolue. C'est ça qu'il je faut. Je fais moins des hochements de tête, un peu moins. Ah, ma mère, elle m'a cartonné hier. Hein. Elle a dit, sois moins théâtrale. Non, pas sûr. Comment ça? Elle fait, ben oui, parce que depuis toujours, je fais. Je suis comme ouais. Ça. Mais c'est les plutôt mains, bien, c'est plutôt bien. Ah, j'aime trop parler avec elle. Ou on aurait pu m'appeler... Il est où mon masque? Ouais, donc c'était quand même c'était un plaisir de passer un petit peu de temps avec toi, Maï. Ça a été fluide. Après, c'est vrai que en plus, en ces temps-là, là ils vont repasser, ils vont dire « Oh, ouais, c'est ouais, bon, ouais. Là. Mmh. Oh, vous, allez, t'as allez, vu, ils n'avaient pas forcément des têtes de flics, hein, t'as vu ?» Ben ouais. Hein, surtout le petit gringalet. Ouais, le derrière. Petit gringalet, là. Dis le moins fort, on se servir la Italie, le gringalet, le mec, en plus, peut-être qu'il fait de la muscu tous les jours. Francine, elle n'a rien capté. Elle dit « C'est qui ?» Je me suis dit keuf, parce que le mec il a sorti son. Ouais, son brassard ouais. Mmh. Le, pardon ? Le centre médical Richemont. Ah, je le connais pas. Désolé. Non, vous savez pas ? Non. Ah. C'est bizarre. Ouais. On plie ? Ouais. Ah, j'ai pas fini la demande. C'est une thérapie là, pour moi. Tu peux me photographier sous tous les angles. Je suis tellement beau.